C'est pour ça que je ne la trouve pas, c'est qu'elle ne doit plus être marquée. Bon, hier, petit souci de batterie, donc du coup la vidéo n'est pas complète sur cette ruche, mais bon, alors, pour rappel, on a engagé celle-là, c'est une ruche qui romère, donc cas particulier, on va voir comment on gère ça, ça dépendra. Dans 3 semaines, quand on libère à la reine, il y a du couvain ou pas de couvain. Celle-là, du coup, celle-là a reméré. Du coup, ben, il a fallu trouver la reine. Donc, la vidéo était assez longue et c'est pour ça qu'on n'a pas pu tout filmer. Donc, on a bien mis 10 minutes pour la trouver. Donc, ça, c'est le gros inconvénient de l'engagement de reine. Quand on laisse remérer naturellement les reines, on a, nous, sur notre cheptel, on a à peu près un quart des rennes qui remèrent naturellement. Donc il y a un quart des rennes qui ne sont pas marquées. Donc il y a un quart des recherches qui peuvent prendre énormément de temps. Donc là, on a feuilleté cadre par cadre à deux et on l'a trouvé au bout de 5-6 minutes. Si jamais on ne les trouve pas, généralement, on secoue tous les cadres sur une grille à rennes pour ne pas passer un quart d'heure sur la ruche. Mais du coup, voilà, ça la brasse quand même pas mal, ça la perturbe quand même pas mal, donc c'est pas l'idéal. Le mieux, c'est de la trouver sur les cadres. Donc du coup, voilà, ces deux rennes sont marquées. Donc aujourd'hui, on est venu sur le rucher pour doubler. Alors cette année, on va pas doubler, juste on sous-pèse les ruches. Si vraiment il y a une unité très très lourde, on enlève 2-3 cadres et on leur met 2-3 cadres vides. Et une fois qu'on a une ruche qui est un peu plus légère, on met les 3 cadres de miel. Ça évite d'avoir une manutention inutile de hausse, parce que sur le rucher il y a 10 ruches qui sont pleines et 20 ruches qui sont 10 ruches qui sont vides et 20 ruches qui ont juste 10-15 kg. On n'a pas doublé cette année. Du coup voilà, alors celle-là est un peu bizarre parce qu'elle a reméré, mais par contre il y avait 2 cellules royales avec juste des œufs pondus, donc on va surveiller. Après, on disait, donc on est en phase d'expérimentation. Tout ce qui est engagement, libération, traitement, ça se passe très très bien. Nos deux soucis, c'est par rapport à la réinfestation du varroa. Donc sur ce rucher-là, il n'y a que ces deux ruches qui sont encagées. Il y a à peu près 40 ruches sur le rucher, donc il y en a 34 ou 35, parce que si on enlève les morts, qui ne sont pas encagées, qui vont être traitées classiquement avec des apivas. Donc on va voir comment elles vont se comporter ces deux, s'il y a des réinfestations et si jamais elles sont beaucoup moins jolies, beaucoup moins productives, parce que ben, les réinfestations, nous sur la lavande, il faut vraiment qu'on en tienne compte, parce qu'il y a beaucoup de transhumants et des gens qui récoltent et traitent très très tard. On a vu des ruchers début septembre qui n'étaient toujours pas récoltés, alors que nous, cette année, le 31 juillet, ça sera tout récolté, tout traité. Ensuite, la deuxième... Deuxième souci sur l'encagement de reine, c'est par rapport à la production. Donc est-ce que le fait d'encager la reine, cela va perturber la colonie et faire baisser la production? Alors cette année,
Le rucher sur lequel on teste l'encagement est suivi par la DAPI. Donc la DAPI pèse les ruches, prend un tas de mesures sur les varroas phorétiques avant la vente, après la mielée de lavande. Il y a des balances, donc on verra, on pourra voir le nombre de varroas phorétiques, donc le nombre exact de varroas qu'il y a dans la colonie, puisqu'il n'y aura plus de couvain. On verra aussi si les courbes de prise de poids ont tendance à diminuer depuis l'encagement. Alors c'est un peu dommage parce que cette année l'encagement, il y a eu une semaine de mistral derrière, donc du coup les courbes vont forcément diminuer, mais est-ce que les prises de poids vont réaugmenter la semaine prochaine avec le beau temps? Donc du coup voilà, on est toujours en phase d'expérimentation, mais bon, malgré ça on fait une petite vidéo sur ces deux ruches, comme ça on voit un peu comment on fait et on va gérer ces deux cas particuliers, celle-là qui romère et celle-là qu'il a fallu trouver la reine non marquée dans une colonie assez populeuse.